Génombre SCP-228. Outil de diagnostic psychiatrique. Classe d'objet sûr. Procédure de confinement spécial SCP-228 sera utilisée pour effectuer des tests psychiatriques expérimentaux sur le site 23. SCP-228 doit être conservé sous verre dans la salle d'observation 113AD. C'est sur le site 23. L'accès à la salle d'observation 113AD nécessitera une autorisation de niveau 4 ou une notification signée du directeur médical Light. La salle d'observation 113ADC doit être surveillée par pas moins de 4 caméras vidéo haute définition et un miroir d'observation à sens unique renforcé sur toute la longueur du muret. Lorsqu'un sujet observe SCP-228, sa réaction doit être documentée par pas moins de 5 chercheurs postés derrière le miroir d'observation ainsi que par le psychiatre qui l'accompagne. Description : SCP-228 est une photographie polaroïde d'apparence variable. Il est évident à ce moment que SCP-228 tire son sujet de l'esprit subconscient du spectateur. Les images produites sont toujours visuellement claires, mais varient en cohérence interprétative. Par exemple, un spectateur peut faire en sorte que SCP-228 montre clairement le portrait du père de ce spectateur, alors qu'un autre fait en sorte que l'image d'un objet en forme de cœur submergé de liquide vert soit expurgée. La cohérence de l'image produite par SCP-228 semble varier d'un sujet à l'autre, et on suppose qu'elle a un lien avec l'état émotionnel du spectateur. Les diverses manifestations d'images de SCP-228 peuvent être photographiées normalement, bien que les photographies ne montrent pas la capacité de manifester de nouvelles images. Il se manifeste une image lorsqu'il est visionné à distance par flux vidéo. Après que SCP-228 a manifesté une image, il restera inerte, affichant la même image, jusqu'à ce que ce spectateur détourne le regard. À ce stade, il adaptera sa manifestation pour refléter celle du spectateur actuel. La question de savoir ce que SCP-228 manifeste lorsqu'il n'est pas observé est théorique. SCP-228 sera utilisé pour aider les membres du personnel psychiatrique du site 23 au cours de la psychanalyse. Le patient, appelé ci-après-sujet, se verra poser des questions suggestives et recevra l'ordre de regarder SCP-228. Une fois la manifestation enregistrée, le sujet sera invité à détourner le regard. À aucun moment, l'intervieweur ne devrait considérer SCP-228 avant le sujet, car cela pourrait corrompre le dossier et fausser potentiellement la psychanalyse du sujet. Addendum, à partir de, aucun membre du personnel qui a déjà été exposé à un agent visuel mémétique n'est autorisé à l'exposition à SCP-228 en raison de la possibilité de données ultérieures.